Qu'est-ce que tu cherches, marché des lignes? Tu avais. C'est à vous, ça, alors? Oui, tout. Ah, oui, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Maintenant, il n'y a plus du bois. Du bois. Non, mais du avant, bois, c'est étable. This is where the soldiers stayed during the First World War, in this great barn here, which apparently the roof burned down, but it's been rebuilt, and this is the room where probably about 200 soldiers would have stayed, which was a great relief for them after being at the front line. So they're showing us around now. C'est pas à moi, hein, c'est un monsieur, ça. C'est celui qui fait... Oh. C'est un Peugeot. Oh, fantastique. 1952. Ouh. Ça, c'est Mercedes. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Chouf, c'est bon. Alors là, c'est la main où les chevaux ils buvaient dans le temps. Ah, oh, c'est l'eau. Et là, il y avait les chevaux, les vaches, ils venaient. Il n'y avait pas de d'eau. Pendant la guerre, ils venaient voir l'eau. C'est comme ça que les fermes arrivaient à vivre. C'était l'eau qu'on donnait à boire aux animaux. Et c'est à vous alors ça? Ah oui, ça c'est à nous. Ça, c'est pour ça que nous on y a mis des canards pour garder l'eau. C'est facile à entretenir les canards et les cygnes? On ne fait rien du tout, on les grappe. Du gras, d'accord. Mais c'est vrai. There was no water during the war, so that was, you know, you had to have that, and the horses would drink it. Mais il y a 15 jours, l'eau, elle était. Il n'y avait plus d'eau. Ah oui. When it's raining, it fills up. Et on met des oies, tu vois, pour que les gens qui viennent voler. So in the war, they drank this water. La nuit, pardon, il vient des gens. There was no water. Drained to the houses, no running water. So they used to drink this water. And the horses would drink it, and the soldiers would drink it. Et c'est pour ça qu'on a mis des. On avait commencé, mais après on a mis des assez comme ça. C'est quoi ça? Après on devient fou, comme dit ma copine belge. Elle dit t'arrêtes, tu vas venir fou. Alors ça appartient à François, notre fils, tu vois. On l'a donné ça pour être tranquille. Oui, c'était la ferme. Donc le hangar à l'époque était où, monsieur? Pour arrêter les avions, pour pas qu'ils fassent de terrain d'aviation ici en face. Mais la Première Guerre mondiale, il y a eu un terrain d'aviation entre cette route nationale et les fermes. D'accord. Donc les pilotes avec leurs avions atterrissaient ici sur cette bande ici, RB. Et les pilotes sont restés peut-être ici. Et logés dans un petit hangar, une grange qui était à la place. De là où est-ce qu'il y a les citernes, engrais, là. Y aller. Engrais, oui. Really? Cinéphiles. That's amazing. Really? Ils accrochaient tout le temps. They were aeroplanes. First World War aeroplanes. Ah,
landing here, just right. there. Yeah. Incredible. Back between the National and here. Mais on a eu un Anglais qui est venu ici avec toutes ses décorations. Toutes ses décorations, qu'il avait été aviateur en face. On l'a vu prendre la photo et il était aviateur. Ah, il est arrivé un coin beau, monsieur, bleu marine, chemise blanche. Avec son, avec son fils qui avait plus que 85 ans. First World War pilot came here 10 years ago with all his medals and uniform to revisit where he stayed. Ça fait quelque chose. Oui, assez. Do they take a photo? Oui. Et puis aussi l'histoire de l'Allemagne. Des prisonniers allemands pour travailler. Voilà. Quelquefois, ils aimaient mieux travailler dans les fermes que de rester en prison à la citadelle d'Amiens ou la citadelle de Doulan. Donc, papa, moi j'ai connu étant enfant, on recevait quelquefois 3, 4, 5 prisonniers allemands pour travailler à la ferme. D'accord. Et puis, une fois, il y en a un allemand, parce qu'en général, ils étaient tous. German soldiers came to work here. Instead of being prisoners, they would help on the farm, working on the farm, and Jean's father was looking after them. And one of the Germans were really fed up, and he said, I don't want to stay here, I want to go back to Germany, I want to escape. The trouble is I don't have any shoes. Can I have your shoes? So the father said, you want my shoes, you can have my shoes, you go. Went all the way back to Germany, they didn't hear for years and years and years, and about 4 years after, he came back with the shoes, gave the shoes back, and on his way to Paris to marry a French girl. Really? Yeah. Has a rich history. That's amazing, isn't it? Un parachutiste. Un parachutiste qui avait voulu tuer. Une batterie anti-aérienne à Doulan, et puis elle était fort réputée, et beaucoup d'Anglais savaient qu'il y avait une mauvaise batterie quand ils passaient avec les gros avions au-dessus de Doulan. Ils avaient peur parce que c'était une batterie allemande, mais c'était un Polonais, pareil. Alors tout le monde en avait peur, ils le savaient, toute l'armée, les pilotes. Alors il y a une forteresse qui en passant... Qu'est-ce que c'est une forteresse? C'était des gros avions avec quatre moteurs, avec des bombardiers qui passaient pour aller vers l'Allemagne ou bien, je ne sais pas, bombarder. Et il a été abattu par cette artillerie là à Doulan, tout près de la citadelle. Et puis il a fallu qu'il... Il est tombé, et puis les parachutistes... Les pilotes et tout ça, ils ont sauté en parachute là à 2-3 km ici, puis ils sont atterris. Il y en a un qui est parti sur le Valereux, et un autre qui sont tous égarés à droite à gauche, c'était au mois de juin. Ils voulaient se cacher. Ils voulaient se cacher dans les récoltes. Et puis il y en a un qui est atterri, qui est revenu par ici. Puis maman, papa, maman l'ont vu, puis c'était un Américain. Ils ont dit, ils ne savaient pas d'où le mettre parce que tous les... On te tue. Les Allemands, ils cherchaient après pour le capturer, pour le faire prisonnier. Oui. Puis maman, elle a retiré, vous savez, il y avait des armoires froides, frigidaires. Pour mettre le lait. À ce moment-là, ils mettaient leur crème et leur lait dedans. Frigidaire. Ils ont retiré ça, puis ils ont dit au pilote, tu rentres dedans. Puis on mettait la crème. Je ferme la ils porte. Ils ont mis le monsieur. Ouais. Et les Allemands sont venus, ils ont visité toute la ferme. Toute la maison, toute la ferme. Ils n'ont pas trouvé ils ont eu peur, pilote, tu sais, de mon pilote américain. Elle a dû avoir peur. Ils avaient peur. Hein. Ils disent, s'ils ouvrent la porte. C'était bon, quoi. Ils étaient morts tous les deux. Ils étaient déportés complètement. Bien morts, complètement. Alors qu'il valait mieux être mort que déporté. Ils ont rentré l'Américain et puis ça s'est pas bien passé. Puis après, ils sont partis, ils ont dit bon, on trouve pas. Et puis la nuit, ils l'ont lâché. Et puis il est reparti. Puis il est reparti en Amérique. Il a réussi à s'évader.
à notre fils. C'est très bon. Incroyable, un cidre maison. Cidre de Normandie avec des pommes qui viennent de Toulon. De Toulon, ouais.